ménagère du marquis, dépoussiérer les étagères sans faire de bruit. Elle repassait les édredons, se levait toujours la première. Elle connaissait la bonne manière de satisfaire le baron. Elle souhaitait simplement que le temps passe, défroisse les pantalons. Il menait la vie solitaire des bidonvilles de Saint-Denis, allait se goinfrer de catin les soirs d'ennui. Il aimait la fornication autant que le bruit des revolvers. Celui qu'on taxait de gangster effrayait la population. Il rêvait sûrement de grands palaces, de liasses, de bifetons. Qu'il rôdait dans les rues, en apercevant un passage, la folle envie lui est venue d'un cambriolage. Il se glissa sous les buissons, dans les jardins de la demeure. Il avança jusqu'au perron, c'était le château de Meudon. Une fois à l'intérieur, il tomba sur elle, si frêle, dans ses haillons. Que faites-vous là? Qui êtes-vous? S'interrogea le vagabond. Je suis la bonne et je vous retourne la question. Pour dérober son attention et craignant d'être pris au piège, il dit: si votre peau est comme neige, moi mon cœur est un glaçon. La ménagère tomba sous le charme, en larmes, sous l'émotion. Et le cœur léger, la servante qui crut savoir ce qu'il cherchait suggéra dans la soupente un passage secret. Mais le brigand, pris de passion, sachant qu'elle parlait du trésor, refusa toutes les pièces d'or contre un baiser sur son front. Ensemble ils se mirent à croire aux anges, ils songent à l'évasion. Son offre, la bonne éprise de liberté courut s'emparer du coffre et de la clé. Ils emportèrent le magot avant de quitter la région, main dans la main, à l'unisson, traitant le baron de salaud. Ils s'enfuirent profiter du temps qui passe à grâce, loin de Meudon. Savourez pleinement la